Bonjour, bonjour tout le monde. On va prendre le message du jour, si vous le voulez bien. Bon, j'espère que vous vous portez bien. Moi, ça va. Allez, c'est parti. On commence. Allez. Alors, on y va. Donc, on va prendre pour aujourd'hui. Alors, attendez, parce que j'ai extrêmement chaud. J'ai extrêmement chaud. Donc, je me mets à l'aise, hein. Bon, alors j'espère que vous vous portez bien. On va prendre déjà pour commencer. Donc, on va avoir un message que vous avez à recevoir, un des anges, avec le tarot des anges gardiens. Un petit message pour aujourd'hui, pour votre journée. Et on va voir. Alors, message du jour, s'il vous plaît. Je tenais à vous remercier pour votre présence. Merci pour tous vos jolis commentaires. Merci pour vos likes. Merci pour tout, pour tout, pour tout. Et on y va, c'est parti. Alors, le 3 de la pensée. Alors là, aujourd'hui, vous êtes entouré. Toute la journée, vous êtes entouré d'anges gardiens. Ils vont être là, vraiment prêts à penser. Ils vont vous aider à guérir, à penser de vos blessures. Et vous allez recevoir la chaleur, de la douceur, comme un nuage, en fait, comme un nuage. Il y a vos anges qui vont être là vraiment pour panser vos blessures et vous réconforter. Peut-être que vous allez ressentir de la tristesse aujourd'hui, mais ça va vraiment être passager. Peu à peu, ça va disparaître durant la journée. Et pour moi, vous allez réaliser en fait que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. On vous dit aussi de, voilà, on vous recommande de pardonner, pardonner aux autres, pardonner à vous-même, envisager aussi l'avenir avec joie. Voilà. Donc là, il y a peut-être un petit coup de tristesse passager. Alors, on va prendre un message avec ce magnifique oracle. On va voir quel est l'ange qui va vous accompagner aujourd'hui. Celui-ci. Alors, aujourd'hui, vous êtes à l'abri de bien des maux. C'est l'ange Xana qui sera auprès de vous. Vous êtes à l'abri, en fait, de bien des maux. En tout cas, il y a vous avez peut-être passé par le pire, dans une ou plusieurs, dans diverses situations. Mais aujourd'hui, tout ça, c'est derrière vous. D'accord? Vous êtes à l'abri aujourd'hui. Vous êtes en sécurité. On vous demande vraiment de vous détendre et d'être rassuré aujourd'hui. Détendez-vous, soyez rassuré. Ensuite, je vais prendre ce magnifique oracle. On va voir un message d'amour et de lumière. Celui-ci et on découvre ensemble amour pur et inconditionnel. Et avancez-vous aujourd'hui, avancez-vous vaillamment vers un avenir radieux. Donc là, vous vous dirigez, vous allez ressentir de l'amour pur et inconditionnel en recevoir et en ressentir. Ça peut être de vos anges, ça peut être de vos proches, ça peut être, voilà. Il y a de l'amour. En tout cas, vous allez ressentir une énergie forte d'amour pur et aussi inconditionnel. Et avancez vraiment d'un pas veillant. Avancez, avancez vers un avenir radieux. Regardez le grand et beau soleil. C'est magnifique. Allez, on va prendre un message avec le petit oracle des couleurs qui est juste magique. Haut en couleur. On y va, celui-ci. Allez, le bleu poudré. Alors, vous avez une capacité, on a tous une capacité en fait à rêver. Et rêver, ça permet vraiment de contribuer à un monde meilleur. Donc aujourd'hui, rêver, rêver, ça va contribuer à, voilà, à construire, à mettre en place un monde meilleur. Alors, aujourd'hui aussi, soyez fiers de votre polarité masculine. Faites-la grandir aujourd'hui un petit peu, votre polarité masculine, sans la faire trop grandir, mais un petit peu. On en a tous, hein, de la polarité masculine et féminine. Donc, faites-la grandir un petit peu et utilisez-la aussi avec discernement. Donc, votre polarité masculine avec discernement. Avec tact. Voilà. Ok. Allez, c'est parti. Alors, je vais vous transmettre un message que j'ai canalisé pour vous.
Alors, on me parle aujourd'hui de la réalisation pour une personne. Donc, c'est du général. Vous prenez uniquement si ça résonne au plus profond de vous. Alors, on me parle pour moi de la réalisation d'un souhait. On parle aussi d'une avancée en fait dans votre domaine sentimental. Peut-être c'est à l'arrêt complet. Alors c'est soit une avancée, soit une accélération de quelque chose qui est déjà existant, ou alors c'est quelque chose qui va se concrétiser, une nouvelle naissance de quelque chose dans votre domaine sentimental. On parle aussi, je vois une personne qui va vous appuyer pour moi. On va vous appuyer dans un projet. Ça peut être un projet de création. On me parle d'un don, cette personne va vous faire un don. C'est vraiment un don dans la générosité, vraiment. Hein. C'est pas. Voilà, c'est un don dans la générosité. C'est pas. Voilà, c'est vraiment généreux, c'est un don. Et c'est bon pour vous, pour votre évolution aussi. Et ça va vous permettre, en fait, de peut-être de changer. De changer, d'agrandir en fait des choses dans votre projet lié à un projet créatif. Et ça peut être cette personne en fait qui arrive dans votre dans le domaine, dans votre sentimental. La personne que vous, voilà, que vous allez avoir dans votre domaine sentimental, ça peut être cette personne. Pour moi, c'est pas une personne inconnue, ça peut être une personne inconnue ou alors qui va vous faire un don pour que voilà, que ça puisse pour que vous puissiez changer des choses, accélérer aussi. On va vous appuyer fortement. C'est une personne de confiance, généreuse, de parole aussi, qui va voilà, qui va vous appuyer. C'est une personne qui a un œil déjà sur vous. Peut-être que vous le savez, peut-être que vous ne savez pas pour moi. En tout cas, voilà. Il y a une très belle réalisation d'un souhait, de deux souhaits, domaine sentimental, mais aussi dans un projet donc créatif pour voilà, pour ce mercredi. C'est merveilleux. Je vous le souhaite. Voilà. Allez, c'est parti. Allez, on va prendre un message carte maintenant. Alors, un message carte. Alors, on y va, c'est parti. Allez, je prends ce magnifique oracle. On y va avec celui-ci. On va voir un petit peu ce que je peux vous transmettre pour aujourd'hui. Et après, on terminera la guidance avec une lecture. Oh, ça va être une journée haute en chaleur. Il va faire chaud. Il va faire chaud et en plus vous allez vous élever. Une élévation. Il va faire chaud. Vous allez vous élever de situation, de personne, de lien, de quelque chose qui est toxique pour vous. Quelque chose qui est toxique dans le domaine administratif, dans de l'administratif. Je vois l'administratif qui est très très lent, mais vous allez vous élever de tout ça en fait. Ça peut être ici ça peut être une femme. Mais vous regardez, vous allez. C'est Charles. Vous allez réussir. Hein. Vous n'allez pas rester noyé dans ce blocage. Hein. Vous allez vous élever. Vous allez trouver. Soit que c'est cette ou c'est cette situation. Enfin, ce qui est toxique là. Ce qui est toxique.
Ça peut être une personne. Pour moi, ça peut être une personne. Ça peut être une femme. Pour moi, c'est cette personne qui ralentit l'administratif, dans de l'administratif, mais il y a quelque chose qui se. C'est la fin, en fait. C'est la fin d'un ralentissement. Vous allez aussi sur votre abondance, sur quelque chose qui va être très, très chaleureux. On quitte tout ça, en fait. Hein. On saute, hein. On saute, hein. Et oui, on saute, et puis il y a une signature. Il y a une signature. On fait tout, en fait, pour tout ralentir. Et là, on. Ouais, et on va sur les compromis. Hein. Et je vois cette personne qui est. On veut pas être compromis, mais on va y aller. On veut pas, mais il va y avoir. Ça peut, vous pouvez être dans une ville. Il pouvait y avoir un projet entre vous qui est en cours. Ou des biens en commun. Je vois des choses qui vont être suspendues. Ça peut être lent. Mais pour moi, vous allez réussir à convenir, à avoir l'accord que vous désirez. Je vois vous pouvez avoir une entreprise, une auto-entreprise, et je vois. Ça va pas vous déséquilibrer plus que ça. Vous allez rester dans l'équilibre, même au niveau financier pour moi. C'est pas. Ça va pas tanguer plus que ça. Mais vous allez couper, hein. Vous allez trancher. Vous allez trancher. Hein. Ou c'est un projet. Vous allez signer. Il peut y avoir un bien en commun. Pour moi, vous allez signer. Va falloir vraiment vous imposer. De toute façon, je vois quelque chose qui va se libérer. C'est comme s'il y avait un minuscule blocage. Et en fait, vous pensez, il y a un minuscule blocage, c'est comme si vous pensiez en fait que vous allez jamais arriver au bout. Mais en fait, le blocage, il est minuscule. C'est lié à une situation ou à une personne, en fait. Et à partir du moment où vous avez conscientisé ça, tout part, en fait, tout part en accélération. Si ça vous parle. Allez, on va prendre ce magnifique oracle. On va voir avec celui-ci ce que je peux vous transmettre. Alors, ici, je vois une stabilité, la fidélité. Vous êtes protégé. La fidélité. Vous allez. Pour moi, je vois une personne avec une autre personne. Je vois vous allez rentrer dans une relation stable qui va durer dans le temps. Vous êtes protégé. C'est un lien qui est très fidèle. Vous êtes fidèle. Hein. L'un à l'autre. Vous êtes très protégés et regardez, c'est un amour magique, envoûtant. Envoûtant et passionnant. Vous allez partir en terre inconnue. Vous pouvez être des personnes curieuses. Qui aiment découvrir, apprendre, chercher, comprendre. On peut être doté d'une grande curiosité, hein. Oh, regardez. Union, couple, Pax, contrat de mariage, il y a un engagement. C'est magnifique. Je vois un déplacement que vous allez faire à longue distance. Donc c'est soit vous, soit la personne de votre cœur, l'élu de votre cœur, hein, qui va se déplacer vers vous. Il peut y avoir un blocage dans le déménagement. Si c'est l'un ou l'autre qui. Voilà. Qui déménage. Mais ça, vous le pressentez, vous le savez déjà. Avant même de. Ou dès que vous allez être ensemble, déjà au premier rendez-vous, vous allez le savoir. Ça sera ça le point
le petit point bloquant en fait. Mais c'est juste, voilà, vous allez en discuter pour moi et puis après, voilà, ça va se faire. Mais de toute façon, ça sera avant la fin de l'année en fait, hein. Il y a un déménagement. Donc ça va vraiment être. Vous allez vous entendre en plus, hein, mais vous allez en discuter. Ce sera juste, voilà, le petit truc, la petite chose en fait, voilà, à voir ensemble, à convenir ensemble, et ça sera avant la fin de l'année. Pour moi. Voilà. Allez, on termine avec une petite lecture, avec ce magnifique oracle. On y va avec celui-ci, une petite lecture. Pour votre journée. Et après, je vous laisserai. Allez. Un message, s'il vous plaît. Un message, une petite lecture pour aujourd'hui. Alors, c'est celle-ci. Alors là, on vous parle d'appartenance, de communauté, de culture et de tribu. C'est la carte de la famille. Et magnifique. Et je vous transmets donc le message associé. C'est la carte 2. Alors, la carte 2. Alors, au sein du cercle familial, nous trouvons notre place ainsi que la liberté d'être nous-mêmes. Alors, délicatement posée au creux des branches d'un arbre, au milieu des flots tumultueux de l'existence, apparaît une minuscule spirale protectrice. Un entrelacs de couleurs, de textures, de saisons et de souvenirs, un endroit fait pour naître, pour rêver, pour découvrir. Pour partir et pour revenir, au centre de ce sanctuaire, si délicieusement tissé, reposant douillettement sur la présence et l'amour de leurs parents, deux œufs fertilisés viennent au monde, agrandissant le cercle familial. Tous les êtres vivants de cette terre possèdent au moins une chose en commun. Ils ont tous une famille. Qui que nous sommes, quelqu'un nous a mis un jour au monde et nous serons sans doute nombreux à le faire à notre tour. Nous avons tous la chance de jouer un rôle au sein du grand cycle de la vie, celui qui regroupe les plantes, les animaux, mais aussi les hommes. Cette carte vous encourage à réfléchir à votre identité et à vos origines, à honorer et à explorer l'énergie familiale, dans tous les sens du terme. En effet, il ne s'agit pas uniquement des gens du même sang, mais aussi des personnes qui surgissent sur votre chemin, dans votre tête ou d'un lointain passé, à la manière des multiples brindilles composant un nid, bref, de ceux qui ont joué un rôle dans la construction de votre vie et de vos rêves. Peut-être aimeriez-vous retourner dans la ville où vous avez grandi ou bien retrouver le lieu de naissance de vos parents ou de vos grands-parents. Vous pourriez aussi faire votre arbre généalogique ou alors réunir les anciens de la famille pour qu'ils vous fassent partager leur expérience. N'hésitez pas à redonner vie à d'anciennes traditions ou aussi cérémonies, quitte à vous contenter de passer du temps ensemble juste pour le plaisir. Grâce à cette carte, vous allez vous pencher sur les croyances irritées de votre famille, mais aussi de votre culture, et noter aussi lesquelles vous portent et lesquelles vous restreignent. Le moment est peut-être venu de prendre conscience des limites, mais aussi des attentes susceptibles de vous peser, ainsi que des systèmes de croyances que vous avez légués. Votre tribu, autrement dit, vos parents, vos proches, vos professeurs, vos modèles et vos amis. Vous servent-ils toujours? Profitez-en pour renouveler votre sens du respect envers votre famille. Reconnaissez le rôle de chaque individu, vous y compris, en tant que maillon d'une grande chaîne. La sécurité que nous trouvons au sein du cercle familial nous procure un profond sentiment d'appartenance ainsi que la liberté d'être nous-mêmes. Une petite partie d'un grand tout. Voilà pour la petite lecture pour aujourd'hui. J'étais ravie de partager tous ces messages avec vous. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, des likes, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait et que vous désirez le faire. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Prenez bien bien soin de vous. Je vous dis à très très vite pour les prochaines guidances, messages, etc. etc. À très très vite.